Bien-aimés, rejoignez ce programme de 40 jours du 2 avril au 12 mai 2018 avec la prophétesse Frida et le pasteur bienvenu Manzioni. Prophetic Prayer Walking ou marche de prière prophétique. Marchez 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus en priant avec la tour de prière Summer. 40 jours pour abattre, ruiner et détruire toutes les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 40 jours pour bâtir, planter et manifester sa destinée en Christ. Retrouvez une vidéo guide par jour sur la tour de prière Summer. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80, code d'accès 10 77. Que l'ange de l'Éternel vous rencontre sur le chemin de votre destinée. Alléluia, bien-aimés, la Bible dit que entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec reconnaissance. Bien-aimés, nous voulons encore être reconnaissants à notre Dieu ce soir. Nous allons encore lui dire merci. Merci parce qu'il est bon pour nous. Merci parce qu'il nous fait du bien. Merci parce qu'il nous a gardés protégés. Et merci parce que sa vie coule encore en nous. Prions le Seigneur et remercions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, toi qui nous gardes. Merci, toi qui nous protèges. Merci, toi qui nous donnes ta vie. Nous voulons te dire merci encore ce soir. Car tu es le Dieu qui nous donne la paix. Car tu es celui qui nous donne la paix, Seigneur. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, en toi, Seigneur, nous avons la vie. En toi, Seigneur, nous avons la paix. En toi, Seigneur, nous avons l'espérance. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Toi qui es notre shalom, notre paix, notre prospérité, notre force. Nous te bénissons, nous te louons. Toi qui es notre sécurité. Alléluia. À toi la gloire, la puissance, la magnificence, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due ce soir. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons reconnaître ta grandeur dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta grâce dans nos vies. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ton amour dans nos vies. Oui, car, Seigneur, tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amour. Car, Seigneur, tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre force. Alléluia. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, la puissance, la magnificence. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Jean 14, Jean chapitre 14, verset 27. Si vous avez vos Bibles, on peut tout ouvrir ensemble. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jésus dit, il parle à ses disciples, il leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je vais essayer de le prendre encore sur une autre version. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire une autre version. Je lis la version Martin. Elle dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne point comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit point agité ni craintif. Amen. Que votre cœur ne soit point agité ni craintif. Alléluia. Je lis encore la version Darby. La version Darby dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas trouble ni craintif. Que votre cœur ne soit pas trouble. Dans notre version, que votre cœur ne soit point agité ni craintif. Et dans la version seconde, il est écrit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu t'alarmes? La plupart du temps, nous nous alarmons toujours. Nous
C'est comme si le Saint-Esprit n'était pas avec nous. On s'alarme, on est craintif, on est troublé. Mais le Seigneur a dit que votre cœur ne soit point agité. Vous savez, l'ennemi ramène l'agitation. Et quand il ramène l'agitation, c'est là où on fait souvent des bêtises, dans l'agitation. Dans l'agitation, tu ne réfléchis même plus. Tu es tellement agité que tu vas faire la bêtise facilement. Ce que tu ne devais pas faire, tu fais. Pourquoi? Parce que tu es agité. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder ta paix, quelle que soit la situation. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de cette dame qui avait son fils qui était mort. Son fils était mort et elle allait pour voir le prophète. Elle a laissé le corps là. Elle allait pour voir le prophète. On lui demande comment elle allait. Elle a dit « Tout va bien ». Mais pourtant, elle avait laissé un enfant mort. Elle a dit « Tout va bien ». Elle est partie voir le prophète parce qu'elle savait que comme le prophète avait prophétisé qu'elle puisse avoir l'enfant, le prophète allait aussi prier pour que l'enfant puisse revenir à la vie. Amen. Que vos cœurs ne se troublent point. Ce soir, j'aimerais partager la paix avec vous. Nous ne devons pas avoir des cœurs troublés. Nous ne devons pas avoir des cœurs craintifs. Amen. Alléluia. Dans Jean 16, 33, Jésus dit aux disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et nous devons savoir que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde pour nous. Pour ton problème, Jésus-Christ a déjà vaincu. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas être troublé. Tu dois maintenant prier, supplier, mais en étant en paix. Tu dois prier en gardant ta paix. Évite d'être agité. L'agitation vient de l'ennemi. Depuis le commencement, il est venu dans le jardin d'Éden pour tromper Ève. Ève a été agitée par l'agitation. Elle a mangé ce qu'elle ne devait pas manger. L'agitation. Nous ne devons pas être agités. Nous ne devons pas nous alarmer. Alléluia. Nous ne devons pas être troublés. Alléluia. Quoique la réalité de ce que tu vois est tellement dure des fois, est tellement difficile à accepter. Mais nous devons garder les cœurs, nous devons garder nos cœurs en paix. Nous ne devons pas nous troubler, mais nous devons croire en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire qu'il va se lever le dernier, qu'il ne va pas nous laisser tomber ou qu'il ne va pas nous abandonner. Amen. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Jésus avait dit, le Saint-Esprit sera avec vous tout le temps jusque dans l'éternité. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est une réalité, je vous assure. Il n'est pas, c'est pas une fiction, c'est pas un film, c'est pas une histoire comme ça, c'est pas un dessin animé, excusez-moi, mais c'est une personne qui est réelle et il est vraiment avec nous. Donc dans les moments difficiles, nous devons vraiment garder la paix et nous dire que le Saint-Esprit est avec nous. Il va traverser les moments difficiles avec nous. Il va être avec nous. Alléluia. Il y a une chanson qui dit, même si les océans se déchaînent, Alléluia, je les traverserai avec toi. Alléluia. Même si les problèmes dépassent ma force, même si les problèmes dépassent mon intelligence, même si les problèmes dépassent ma sagesse, mais je garde ma paix. Pourquoi? Parce que je traverse les moments difficiles avec Christ. Alléluia. Alléluia. Je traverse. Il y a une personne qui vient juste de rentrer et le bruit a commencé. Donc vraiment, ou bien elle raccroche, ou bien elle ferme son micro, s'il vous plaît. Donc même si je passe les moments difficiles, je sais que il est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Ésaïe a dit une chose. Dans Ésaïe 26, 3, il est écrit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Amen. Quand tu crois au Seigneur, quand tu comptes sur lui, il t'assure la paix. Il t'assure la paix. Amen. Il t'assure la paix. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier par rapport à la paix. Nous allons prier par rapport à la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier par rapport à la paix. Nous devons enlever toutes sortes de craintes. Nous devons enlever toutes sortes de peurs. Nous devons enlever toutes sortes d'alarmes. Même si on te dit que tu meurs demain. Demain tu vas mourir. Garde la paix. Tu vas voir que tu ne vas pas mourir. Alléluia. Nous ne devons pas nous alarmer. Soyons vraiment dans la paix. Mais la paix en Christ. Et ayons notre paix en Christ, parce qu'il nous donne sa paix. Pas la paix comme le monde donne, mais la paix de Dieu. Alléluia, la paix de Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur,
Merci, alléluia, merci pour ce jour encore et merci pour le don de la paix que tu nous donnes. Parce que la paix que Jésus donne est un don. La paix que Jésus donne, le monde ne peut pas le donner. Donc toi, quand tu reçois cette paix, c'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce que tout le monde ne bénéficie pas de cette paix. Alléluia, nous allons dire merci au Seigneur Jésus pour la paix. Alléluia, alléluia. Alléluia, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce jour et pour le don de la paix. Merci pour le don de paix que tu donnes, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, car tu dis que nos cœurs ne doivent pas se troubler. Tu dis que nos cœurs, Seigneur, ne doivent pas s'agiter. Tu dis que nos cœurs ne doivent pas s'alarmer, Seigneur. Parce que toi, tu nous donnes ta paix. Seigneur, parce que toi, tu ne nous donnes pas la paix comme le monde, mais tu nous donnes la paix selon toi. Cette paix qui est un trésor, cette paix que le monde ne peut donner. Cette paix, Seigneur, que même les gens qui sont riches n'ont pas. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils peuvent acheter le monde, mais ils ne peuvent pas acheter cette paix. C'est toi qui donnes la vraie paix, Seigneur. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci ce soir pour le don de la paix. Nous te disons merci ce soir pour ta paix que tu nous as donnée. Nous te disons merci ce soir pour la grâce et la faveur que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir bénéficier de ta paix. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta paix. Cette paix, Seigneur, qui enlève l'agitation dans nos cœurs. Cette paix, Seigneur, qui enlève, Seigneur, les craintes dans nos cœurs. Cette paix, Seigneur, qui enlève la peur dans nos cœurs. Cette paix, Seigneur, mon Dieu, qui nous fait asseoir en disant, oh, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Cette paix, Seigneur, qui nous fait traverser l'ombre de la vallée de la mort en n'ayant pas peur. Cette paix, Seigneur, qui nous fait traverser les turbulences de la vie en n'ayant pas peur. Cette paix, Seigneur, qui nous fait traverser, Seigneur, les difficultés de la vie en n'ayant pas peur. Cette paix, Seigneur, qui nous fait traverser l'adversité de la vie en n'étant pas agité. Parce que nous sommes dans la paix en toi. Nous te disons merci, merci pour la paix. Merci pour la paix que tu fais couler maintenant dans chaque maison. Merci pour la paix que tu fais couler maintenant dans chaque cœur. Merci pour la paix que tu fais couler maintenant dans chaque vie. Merci pour la paix que tu fais couler maintenant sur chaque personne. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur, car tu es Dieu. À toi la gloire. Merci pour le don de la paix que toi tu donnes, le monde ne peut le donner. Raison pour laquelle nous te disons merci ce soir. Merci pour le don de la paix. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas adorer notre Dieu, tu vas adorer le Seigneur, car Jésus-Christ est appelé le Prince de paix. Tu vas lui dire, Seigneur, merci, car tu es le Prince de paix et tu es toujours avec moi. Merci, car tu es le Prince de la paix et Seigneur, ta paix déborde toujours en moi. Merci, car tu es le Prince de la paix et que ta paix déborde dans la vie de mes enfants. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ, car il est le Prince de ta paix. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous t'adorons encore ce soir. Nous disons, Seigneur, sois béni, car tu es le Prince de paix. Tu es le Prince de paix, Seigneur, et tu es avec nous, Seigneur. Car tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu dit que tu es le Prince de la paix. Ce qui veut dire que, Seigneur, toi, le Prince de la paix, tu es avec nous. Tu es avec nous tous les jours. Tu es avec nous toujours. Tu ne nous quittes pas. Nous te célébrons ce soir, car tu es toujours avec nous, le Prince de la paix. Tu es toujours avec nous, le Prince de la paix. Tu es toujours avec nos enfants, le Prince de la paix. Tu es toujours avec nous dans nos maisons, le Prince de la paix. Nous te bénissons, toi, le Prince de la paix. Le Prince de la paix, alléluia. Le Prince de la paix, le Prince de la paix. Sois béni, Seigneur, car tu es le Prince de la paix et tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, alléluia. Sois magnifié, bien-aimé, célèbre, célèbre, célèbre vraiment. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ, car il est le Prince de la paix et il est avec toi. Alléluia, le Prince de ma paix, le Prince de paix, le Prince de paix de ma maison. C'est toi qui es le Prince de paix de mon mariage. C'est toi qui es le Prince de paix de ma famille. C'est toi qui es le Prince de paix, le Prince de paix, le Prince de paix. Alléluia, le Prince de paix. Merci Seigneur pour ta paix. Merci pour ta paix, le Prince de paix. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Sois béni Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta paix, merci pour ta paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé maintenant, alléluia, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, brûle dans mon âme. Alléluia. Brûle dans mon âme. Tu vas dire, Saint-Esprit, que ton feu brûle dans mon âme et enlève toute forme de peur que j'ai entretenue depuis longtemps. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous font peur. Tu dis que tu n'as pas peur, mais en réalité, quelque part à l'intérieur de toi, il y a un petit pourcentage de peur.
Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, que ton feu puisse brûler toutes sortes de peurs que j'entretiens depuis longtemps. Peut-être que depuis mon enfance, il y a des gens qui ont des phobies depuis l'enfance. Hein. Ils ont grandi, mais la phobie est toujours là. Ils font semblant que ce n'est pas fini, mais elle est toujours là. Tu vas dire, Saint-Esprit, brûle toutes sortes de peurs que j'ai entretenues depuis longtemps par le nom puissant de Jésus, par ton feu. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, brûle. Brûle dans mon âme toutes sortes de peurs. Saint-Esprit, brûle dans mon âme toutes sortes d'anxiété. Saint-Esprit, brûle dans mon cœur toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de peurs que j'ai pu entretenir depuis peut-être l'enfance. Saint-Esprit, brûle dans mon âme toutes sortes d'agitations que j'entretiens depuis longtemps. Saint-Esprit, brûle dans mon cœur toutes sortes d'anxiété, de peur que je garde, la peur de l'échec. Brûle cela dans le nom de Jésus. Brûle cela dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, brûle. Saint-Esprit, brûle toutes sortes de peurs dans ma vie. Saint-Esprit, brûle toutes sortes de peurs dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brûle, Saint-Esprit. Brûle toutes sortes d'anxiété. Saint-Esprit, brûle. Viens brûler tout ce qui ne te glorifie pas, Saint-Esprit. Toutes sortes de peurs dans mon cœur, dans mon âme, brûle cela. Alléluia. Brûle cela, Saint-Esprit. Brûle. Brûle l'anxiété. Brûle la peur. Brûle. Oh, Saint-Esprit, brûle toutes sortes de troubles que je garde depuis l'enfance. J'ai peut-être des troubles que j'entretiens, mais je fais semblant. Je fais semblant que je ne suis pas troublé. Mais en réalité, cette situation me trouble toujours. Saint-Esprit, viens épurer. Saint-Esprit, viens brûler. Saint-Esprit, viens enlever. Que ton feu brûle. Que toute forme de peur que j'entretiens dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, que ton feu brûle toutes sortes de frayeurs que j'entretiens. Oh, dans le nom puissant de Jésus, je ne veux pas avoir peur. Je sais que tu vas me visiter. Je sais que tu vas me faire du bien. Je sais que tu vas tourner ton regard vers moi. Et tu l'as déjà tourné d'ailleurs. Je sais que tu vas me libérer des chaînes qui m'empêchent de m'épanouir. Je sais que tu vas faire des grandes choses avec moi. Alors, Saint-Esprit, viens brûler dans mon âme les doutes. Viens brûler dans mon âme les peurs. Viens brûler dans mon âme les soucis. Viens brûler dans mon âme toutes choses qui m'empêchent de vivre la foi, la pleine foi que le Seigneur demande. Saint-Esprit, viens brûler dans mon âme. Enlève toutes sortes de phobies. Enlève toutes sortes de phobies. La phobie des avions, la phobie des ascenseurs, la phobie, toutes sortes de phobies. Oh, viens enlever. Saint-Esprit, je te demande de brûler maintenant. Brûle dans mon âme. Enlève dans mon âme. Enlève toutes sortes de paniques que je peux entretenir. À chaque fois que j'entends ça, je suis paniqué. Oh, Seigneur, tu as dit que vos cœurs ne s'agitent point, que vos cœurs ne se troublent point, que vos cœurs ne puissent point être agités. Je te demande, Saint-Esprit, viens brûler, que ton feu brûle dans mon âme toutes sortes de peurs que j'ai pu entretenir. Oh Saint-Esprit, brûle, viens brûler tout ce qui ne te glorifie pas, Saint-Esprit. Viens brûler tout ce qui ne te glorifie pas dans mon âme, dans mes pensées. Viens enlever tout ce qui est cauchemar pour moi. Viens enlever les mauvaises émotions qui m'empêchent de garder la foi. Viens brûler cela. Viens enlever. Je vais avoir la foi de cette femme qui, malgré que son fils était mort, était parti voir le prophète et a dit tout va bien. Je ne veux pas mesurer ma joie par la situation que je vois, mais je veux mesurer ma joie par la paix que toi tu me donnes. Seigneur mon Dieu, viens brûler, Saint-Esprit. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans mon cœur. Enlève la panique. Enlève les angoisses. Enlève les craintes. Enlève toutes choses. Enlève les intimidations. Toute situation qui m'intimide. Enlève. Je dois faire confiance en toi. Je dois avoir ma confiance en toi. Enlève. Viens enlever toutes sortes d'intimidations que je peux avoir dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Que toute épouvante de l'ennemi soit loin de moi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Enlève la terreur, toutes les terreurs de la nuit qui me font peur. Saint-Esprit, viens enlever cela, au nom de Jésus, et que rien ne puisse me faire peur, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Nous allons chanter un chant. Alléluia. Malgré le décalage, désolé à cause du téléphone. Mais si tu vois que ça décale trop, tu mets juste ton téléphone un peu loin, mais tu essaies de chanter avec nous. Alléluia. Même si les océans se déchaînent,
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, hey, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, hey, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur par rapport à cette merveilleuse chanson. Tu vas dire, Seigneur, même si les océans se déchaînent, même si la situation est chaos plus que chaos, mille fois plus que chaos, Seigneur, je sais que je traverse cela avec toi. Parce que toi, tu domines toutes les situations. Tu domines toutes les tempêtes. Tu domines toutes les adversités. Alors je suis tranquille, Seigneur. Tu vas faire une prière de confiance. Tu vas dire, Seigneur, alors je suis tranquille. Si tu vois que tu as du mal à avoir la tranquillité dans ta situation, tu dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la tranquillité. Change la manière de prier. Tu dis, donne-moi la tranquillité et la paix afin que je puisse traverser cette situation avec toi. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, ce soir nous venons encore à toi. Nous venons encore devant ton trône, Seigneur. Dire que même si, Seigneur, les océans se déchaînent devant nous, même si la situation que nous traversons est compliquée, même si la situation que nous traversons est difficile, Seigneur, je sais une chose. Je suis tranquille car tu es avec moi. Je suis tranquille car tu es avec moi. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es avec moi. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, même si la situation, on me dit qu'il n'y a plus de solution, même si on me dit qu'il n'y a plus rien à faire, mais je sais une chose, que je traverse toute situation avec toi. Je sais une chose, je traverse tout problème avec toi. Alors je ne crains pas, alors je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es avec moi. Car ta houlette et ton bâton me rassurent, car tu es avec moi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne crains aucun mal. Alléluia, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, même si ma situation est difficile, même si ma situation, Seigneur, dans humainement parlant, on ne peut pas donner de solution. Mais je suis tranquille, Seigneur, car tu es avec moi. Seigneur, s'il y a une personne qui est toujours troublée maintenant, je prie pour elle. S'il y a une personne qui est toujours troublée, qui a du mal à avoir la paix, donne-lui la paix dans cette situation. Donne-lui la paix, que son cœur ne se trouble pas, que son cœur ne lâche pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Korabashine, alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car je traverse cette situation avec toi. Alléluia, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me délaisses pas. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, priez vraiment, rentrez vraiment dans la prière, car la présence du Saint-Esprit est là. Tu vas dire, oh Seigneur, amen, 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 amen. Merci. Amen, amen, amen. Je vais continuer. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Tu vas dire, Seigneur. Amen, amen. Nous allons continuer. Merci. Va prier maintenant et tu vas dire, Seigneur,
établis mon âme sur le rocher qui est Jésus-Christ. Vous savez, l'âme, c'est là où il y a les sentiments. L'âme, c'est là où il y a les peurs. L'âme, c'est là où il y a les troubles. Mais quand ton âme est établie en Christ, tu ne vas plus être troublé. Parce qu'en fait, tu fusionnes avec Christ. Et c'est lui qui te soutient. Alléluia. David a parlé à son âme. David a dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, mon âme. L'âme doit espérer en Jésus-Christ. Ton âme doit espérer en Dieu. Tu vas dire maintenant, Seigneur, établis mon âme sur le rocher qui est Jésus-Christ. Que ton âme ne soit pas établie sur tes problèmes. Que ton âme ne soit pas établie sur la réalité. Que ton âme ne soit pas établie sur ce qui te trouble. Mais ton âme doit être établie en Jésus-Christ, ton espérance. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, établis mon âme ce soir. Établis mon âme en Jésus-Christ. Je refuse de m'établir sur les problèmes. Je refuse de m'établir sur ce que mes yeux voient. Je refuse de m'établir sur ce que ma bouche est en train de dire. Je veux m'établir en Christ. Je m'établis en Christ. Établis mon âme, Seigneur, en Jésus-Christ. Que mon âme soit établie en Jésus-Christ. Que mon âme soit établie en Jésus-Christ. Que mes pensées soient établies en Jésus-Christ. Que mes pensées soient établies en Jésus-Christ. Alléluia. Que mes pensées soient établies en Jésus-Christ. Alléluia. Korabashine. Établis mon âme en Christ Jésus. Seigneur, que mon âme soit établie en toi. Que mon âme soit établie en toi. Que mes pensées soient établies en toi. Que mes sentiments soient établis en toi. Alléluia. Mon âme, mon âme, mon âme. Mon âme ne t'abat pas. Alléluia. Alléluia. Que mon âme soit établie en Christ. Que mon âme soit établie en Christ. Que mon cœur soit établi en Christ. Que mon cœur soit établi sur le rocher. Le rocher de la paix. Le rocher de la paix, c'est Jésus. Que mon âme soit établie en Christ. Que mon âme soit établie sur le rocher. Le rocher qui est Jésus. Le rocher qui est Jésus. Que mon intelligence soit établie sur le rocher qui est Jésus. Alléluia. 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 Que Seigneur, que mon esprit soit établi sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que ma foi soit établie sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, que tout ce qui est en moi soit établi sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que mon caractère soit établi sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse, je refuse, je refuse de me tourner vers autre chose que Christ. Je refuse de me tourner vers autre chose que Christ. Alléluia. Je veux m'établir sur le rocher de mon salut, le rocher de ma joie, le rocher de ma paix, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que ma force soit établie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ma force soit établie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia. Que mon intelligence soit établie sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux m'établir en Christ. Je veux m'établir en toi. Je veux m'établir en toi. Je veux m'établir en toi. Que mes pensées soient établies sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, mon esprit, mon âme, mon corps, soit établi sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que ma maison soit établie sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que ma famille soit établie sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Que mes enfants soient établis sur le rocher qu'est Jésus-Christ et sur rien d'autre. Seigneur, Seigneur, sois notre forteresse. Sois la forteresse de ma maison. Sois la forteresse de mes enfants. Sois la forteresse de ma vie. Sois la forteresse de mon couple. Sois la forteresse de mon époux. Sois la forteresse de mon mariage. Oh, le rocher de mon salut. La force de mon salut, l'essence de mon salut. Alléluia. Seigneur, je veux, Seigneur, m'établir en toi. Alléluia. Que mon âme soit établie. Alléluia. Sur le rocher qui est Jésus-Christ. Établis mon âme sur le rocher qui est Jésus-Christ, Seigneur. Établis, établis mon caractère sur le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia. Établis mon esprit sur le rocher qui est Jésus-Christ et en rien d'autre, Seigneur. Je ne veux pas m'établir sur les problèmes. Je ne veux pas m'établir sur la réalité. Je ne veux pas m'établir sur mes difficultés. Je ne veux pas m'établir sur l'adversité. Je ne veux pas m'établir sur ce que je vois. Je ne veux pas m'établir sur ma situation. Je veux m'établir sur Christ, sur le rocher qui est Christ. Oui, car en Christ, je ne chancelle pas. Car en Christ, j'ai la vie. Car en Christ, j'ai la joie. Et en Christ, je vis la vraie paix. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci car en toi, je vis la vraie paix. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, ô Seigneur, baptise-moi de l'esprit de paix. Au nom de Jésus. Seigneur, baptise ma maison de l'esprit de paix. Là où pour les personnes qui ont des problèmes de couple, tu vas dire, Seigneur, baptise ma maison de l'esprit de paix. Que la paix soit établie dans ma maison. Que l'esprit de paix règne et mouve dans ma maison. Que l'esprit de paix inonde ma maison. Alléluia. Pour les personnes qui ont des problèmes financiers, tu vas dire, Seigneur, baptise mes finances dans l'esprit de paix. Afin que tes finances ne puissent plus te troubler. Alléluia. Parce que des fois, les finances aussi ramènent des problèmes et des troubles et des agitations. Tu vas dire, Seigneur, donc en gros, baptise-moi de l'esprit de paix au nom puissant de Jésus. Demandons l'esprit de paix dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, baptise-nous, Seigneur, de l'esprit de paix. Baptise-moi de l'esprit de paix au nom de Jésus. Oh Seigneur, baptise ma maison de l'esprit de paix. Alléluia. Baptise-moi, Seigneur, de l'esprit de paix. Baptise, Seigneur, ma famille de l'esprit de paix. Baptise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes enfants de l'esprit de paix. Baptise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Père, tout ce qui est en moi de l'esprit de paix. Que l'esprit de paix, Seigneur, vienne dans ma maison. Que l'esprit de paix m'ouvre dans ma maison. Que l'esprit de paix, Seigneur, puisse inonder ma famille. Que l'esprit de paix puisse inonder mon couple. Que l'esprit de paix puisse inonder, Seigneur, tout ce qui est à moi. Inonde-moi, baptise-moi, Seigneur, de l'esprit de paix au nom de Jésus. Baptise-moi, Seigneur, de l'esprit de paix au nom de Jésus. Baptise-moi, Seigneur, de l'esprit de paix au nom de Jésus. Baptise-moi, Seigneur, que l'esprit de l'harmonie conjugale, Seigneur, inonde ma maison. Et que, Seigneur, là où il y a des problèmes conjugaux, que l'harmonie puisse être dans le nom de Jésus. Baptise-moi de l'esprit de paix. Baptise-moi de l'esprit de paix. Là où, Seigneur, il y a la maladie, que le Saint-Esprit vienne me baptiser de ta paix. La paix qui emmène la bonne santé. La paix qui emmène la bonne santé. Alléluia. Baptise ma maison de l'esprit de paix. Seigneur, là où je ne m'entends pas avec mes enfants, que l'entente puisse être, Seigneur. Que l'entente puisse être. Que l'entente puisse revenir. Que je puisse m'entendre avec mes enfants. Là où il n'y a pas d'entente avec ma famille. Que je puisse m'entendre avec ma famille. Que l'esprit de paix vienne sur moi. Baptise-moi de l'esprit de paix. Baptise-moi de l'esprit de paix. L'esprit de la quiétude. L'esprit de la réconciliation. Seigneur, là où le divorce allait venir, Seigneur, que l'esprit de la réconciliation soit. Que l'esprit de la réconciliation soit. Que l'esprit de la réconciliation soit. L'esprit de la réconciliation. Baptise-moi de l'esprit de la réconciliation. Que la réconciliation soit dans ma maison. Que la réconciliation soit dans mon couple. Que la réconciliation soit dans le nom de Jésus. Baptise-moi de l'esprit de paix. Là où, Seigneur, ma maison commençait à perdre la sécurité, que tu puisses ramener la sécurité. Baptise-moi, Seigneur, de la sécurité. Sécurise ma maison. Sécurise mes enfants. Sécurise tout ce qui est à moi. Sécurise mon travail. Sécurise mes finances. Sécurise mon esprit. Et que l'ennemi ne mette pas sa main sur moi. Sécurise mon esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Baptise-moi, Seigneur, de l'esprit de paix. Baptise-moi, Seigneur, ramène ta tranquillité. La tranquillité dans mon cœur. La tranquillité dans mon âme. La tranquillité dans mon corps, Seigneur. Que je ne sois pas agité par la maladie, mais que je sois tranquille avec toi. La tranquillité, la tranquillité. La paix que le monde ne peut donner. Baptise-moi de l'esprit de paix. Baptise-moi, Seigneur. Baptise-moi de l'esprit de paix, Seigneur. Que la réconciliation soit dans ma maison. La réconciliation, l'esprit de paix dans ma maison, l'esprit de réconciliation, l'esprit de repos. Alléluia, que le bonheur soit dans ma maison, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons prier et demander au Seigneur de nous baptiser. Si ce n'est pas ton cas, on prie en tout cas pour les autres, pour ceux qui ont des problèmes de couple en fait, toutes les personnes qui ont des problèmes de couple, que le Saint-Esprit puisse les baptiser de l'esprit de réconciliation. C'est ce qu'il veut. L'esprit de réconciliation. Que là où le diable allait mettre le divorce, que l'esprit vienne établir la réconciliation. Que là où le diable avait mis la séparation, que l'esprit puisse ramener l'harmonie.
de là où le diable allait mettre vraiment la séparation totale, que l'esprit puisse mettre la tranquillité. Dans la même prière, nous allons aussi prier pour ceux qui ont des problèmes d'entente avec leur famille, les enfants, donc les parents et les enfants qui ne s'entendent pas. Nous allons aussi demander l'esprit de la réconciliation dans les familles qui ne s'entendent pas. Les enfants qui ont un cœur endurci envers leurs parents, qu'ils puissent revenir à leurs parents. Alléluia. Qu'ils puissent revenir et se soumettre à leurs parents. Alléluia. Nous allons prier dans ce sens-là, selon que le Saint-Esprit va nous donner les paroles et nous allons pouvoir développer ce sujet. Prions le Seigneur que l'esprit de la réconciliation vienne dans les familles de la tour de prière semeur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, que l'esprit de la réconciliation, vienne, Seigneur, dans les familles. Que l'esprit de la réconciliation vienne, Seigneur. Alléluia. Oh, dans les familles où, Seigneur, le divorce commence à rentrer. Dans les familles, Seigneur, où le divorce est déjà même rentré. Seigneur, dans les couples, Seigneur, qui sont séparés. Si, fermez les micros, il y a un enfant qui parle derrière. Merci. Oh, Seigneur, que l'esprit de la réconciliation puisse descendre, Seigneur. Oh, nous te prions, Seigneur. Baptise, Seigneur, baptise de l'esprit de réconciliation, Seigneur, toutes les personnes qui arrivent presque au divorce. Baptise de l'esprit de réconciliation, Seigneur, les familles qui sont disloquées. Baptise de l'esprit de réconciliation, les familles, Seigneur, où les enfants ne parlent plus à leurs parents. Baptise de l'esprit de réconciliation, Seigneur, là où, Seigneur, la femme ne veut plus voir son homme, ou encore le mari ne veut plus voir sa femme. Baptise de l'esprit de réconciliation, Seigneur, les familles qui ne s'entendent plus, où, Seigneur, les sœurs ne s'entendent plus, les frères ne s'entendent plus. Seigneur, étends ta main pour les membres de la tour de prière semeur. Baptise, Seigneur, de l'esprit de réconciliation. Seigneur, inonde l'esprit de réconciliation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Baptise de l'esprit de réconciliation, Seigneur. Que l'entente puisse revenir. Que le bonheur puisse revenir, Seigneur. Que le bonheur puisse revenir dans le nom de Jésus. Que le calme puisse revenir. Que l'harmonie puisse revenir, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait plus le feu. Qu'il n'y ait plus le feu. Là où le couple ne peut pas se voir. Là où le monsieur et la femme ne peuvent pas se supporter. Que Seigneur, qu'il n'y ait plus le feu. Mais qu'il y ait l'harmonie. Dans le nom de Jésus. Et qu'il y ait le repos. Dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, déverse l'esprit de la réconciliation. Déverse l'esprit de la réconciliation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci. Merci de fermer les micros. Merci de fermer les micros si vraiment vous n'arrivez pas à fermer les micros pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu vas recommander. Nous sommes en train de prier pour la paix dans nos maisons, dans nos familles et sur nos vies. Tu vas maintenant recommander, tu vas soumettre à Dieu tout ce qui a généré la peur et l'anxiété dans ton cœur. Il y a un problème qui a déclenché ça. Si ce n'est pas ton cas, ce n'est pas grave, tu pries pour une autre personne. Il y a une chose qui a déclenché. La peur ne vient pas toute seule. Il y a quelque chose qui avait déclenché. Maintenant, tu vas soumettre ce problème à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te soumets tout ce qui a généré la peur dans mon cœur, tout ce qui a généré l'anxiété dans mon cœur, Seigneur, prends-le. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, donnez-moi vos fardeaux lourds. Moi, je vous donnerai mon fardeau qui est doux et léger. Moi, donnez-moi vos problèmes. Moi, je vous donnerai ma paix. Donnez-moi ce qui vous trouble. Moi, je vous donnerai le calme. Alléluia. Nous voulons soumettre à Dieu tout ce qui crée la peur dans nos cœurs. Soumets à Dieu toutes les situations. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur mon Dieu, nous venons ce soir. Nous venons te soumettre ce qui crée la peur dans nos vies. Nous venons te soumettre ce qui crée la peur dans nos cœurs. Nous venons te soumettre ce qui crée, Seigneur, l'anxiété dans nos vies. Je viens te soumettre, Seigneur, ce qui crée la peur dans mon cœur. Je viens te soumettre, Seigneur, ce qui crée la peur dans ma vie. Je viens te soumettre, Seigneur, ce qui crée la peur, ce qui crée la peur, Seigneur. Ce qui a créé la peur, ce qui a généré la crainte dans mon cœur, Seigneur. Je viens te remettre cela entre tes mains. Cette situation qui a déclenché, Seigneur, mon attitude. Cette situation qui a déclenché, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'anxiété dans mon cœur. Je viens te soumettre, Seigneur, cette situation. Je viens te
te soumettre cette situation. Cette situation qui a créé, Seigneur mon Dieu, mon roi, le trouble de mon cœur. Je viens te remettre ce problème entre tes mains. Prends-le, Seigneur. Prends-le, Seigneur. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le porter. Je viens à ta croix te déposer mon problème. Je viens à la croix te déposer ce qui a créé la crainte dans mon cœur. Je viens à la croix te déposer le problème qui a créé la panique dans mon esprit. Je viens, Seigneur, devant ta croix, te déposer ce problème qui a créé les angoisses. Oh Seigneur, je n'ai personne d'autre si ce n'est toi. Je n'ai personne d'autre qui peut me sauver si ce n'est toi. Je n'ai personne d'autre qui peut me libérer si ce n'est toi. Je n'ai personne d'autre qui peut me faire du bien si ce n'est toi. Je n'ai personne d'autre qui peut, Seigneur, me sauver de ma crainte, me sauver de mes faiblesses, me sauver de mes phobies, me sauver de mes douleurs, me sauver, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Ce problème, Seigneur, qui est devenu un cauchemar pour ma vie, je viens le déposer à tes pieds. Je viens le déposer à tes pieds. Ce problème qui est devenu, Seigneur, un cauchemar, je viens le déposer à tes pieds. Car tu as dit que je puisse venir avec mes problèmes, que je puisse venir avec mes fardeaux, que je puisse venir, Seigneur, avec mes douleurs. Je viens, Seigneur, alléluia. Je viens, Seigneur, te remettre, Seigneur, te soumettre ce problème qui a créé la crainte dans mon cœur, qui a créé l'anxiété dans mon cœur, qui a créé la peur dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé, alléluia. Maintenant, tu vas faire une prière de déclaration. Alléluia. Nous avons compris que nous avons la paix en Christ Jésus. Maintenant, tu vas faire une prière de déclaration. Alléluia. Tu vas dire maintenant que je déclare que parce que le Seigneur Jésus est avec moi, tout ira bien pour moi. Alléluia. Mon avenir est sécurisé. Tout ira bien. Ce que j'attends, je vais l'avoir. Tu fais une prière maintenant de déclaration. Et cette prière, quand tu la fais, est vraiment la foi. Sois convaincu de ce que tu es en train de dire. Sois convaincu. Cherche la conviction au plus profond de toi. Mais aie la foi. Aie la foi que ce que tu puisses dire puisse venir de toi. Alléluia. Tu vas dire maintenant, je déclare que parce que Jésus-Christ est avec moi, tout ira bien pour moi et mon avenir est sécurisé en Christ. Prions le Seigneur et déclarons ces choses. Alléluia. Seigneur, nous déclarons ce soir. Je déclare, Seigneur, que parce que tu es vivant, alléluia, parce que, Seigneur, tu es avec moi, tout ira bien. Oh, tout ira bien pour moi. Et je dis déjà, tout va bien, Seigneur. Je parle comme cette femme qui était partie voir le prophète, qui avait son fils qui était mort. Mais elle a dit, tout va bien, Seigneur, tout va bien. Seigneur, mon Dieu, je viens de déclarer, Seigneur Jésus, parce que tu es avec moi. Tu as dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, parce que tu es avec moi, je ne crains pas. Je crois que tout va bien pour moi. Je crois que tout ira bien pour moi. Je crois que tu es avec moi. Tout va bien, tout va bien. Mon avenir est sécurisé en Christ. Mon avenir est sécurisé en toi. Mon avenir est sécurisé en toi. Mon avenir est sécurisé en toi. Seigneur, ma vie est sécurisée en toi. Mes enfants sont sécurisés en toi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas besoin de paniquer. Je n'ai pas besoin d'avoir des angoisses. Je n'ai pas besoin d'avoir, Seigneur, d'avoir la terreur. Je n'ai pas besoin d'avoir des frayeurs. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Mon avenir est sécurisé en Christ. Je déclare, Seigneur, que tout ira bien. Tout ira bien dans le nom de Jésus. Ma santé ira bien. Alléluia. Ma vie ira bien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Seigneur, parce que tu es avec moi, tout ira bien. Parce que tu es avec moi, ta paix est avec moi, je suis au calme. Parce que tu es avec moi, Seigneur, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi, Seigneur, tout ira bien. Je déclare cela. Tout ira bien. Alléluia. Mon couple sera restauré. Parce que tu es avec moi, mon mari va revenir. Parce que tu es avec moi, ma femme va revenir. Parce que tu es avec moi, je vais trouver un bon travail. Parce que tu es avec moi, alléluia, ma famille sera restaurée. Parce que tu es avec moi, ma famille sera restaurée. Parce que tu es avec moi, mes enfants seront restaurés. Parce que tu es avec moi, tout ira bien, alléluia, tout ira bien. Car mon avenir est sécurisé en Christ. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tout ira bien. Alléluia. Bien-aimés, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen.